programme que nous avons le programme humanitaire, le programme Biden. Il y a une première nouvelle que nous avons partagé avec vous, que nous pensons qui a porté un peu de joie dans le cœur et nous avons parlé de nouvelle sous réserve. Ça que nous parlons sous réserve, c'est parce que officiellement, il faut que nous ayons. Donc, elle en met, on connaît, nous, on peut parler avec plusieurs instances parce que nous connaissons que nos dates, après, sont dates qui sont capables sur nous là, moi, Dieu est arrivé, un peu de monde a brûlé, a posé question, ça va passer parce que nous connaissons que 12 juin, capable là, ça supposé date qui va que programme humanitaire ça, ça supposé aller dans les cours de justice, devant la justice. Devant et même membres qui dit non, de parler du programme, le 12 juin, c'est pas supposé date là. D'après toutes les informations que nous collectons, ok, et nous dit que pas officiel, mais encore nous connaît qu'un peu de monde se stresse, un peu de monde est très cassé, mais très sauté, parce que le 12 juin va arriver. Donc, d'après toutes les nouvelles que nous jouons, de tout ce qui est plus ou moins sûr, 12 juin, il est. Moun, tout probablement et juillet ou août. Ça veut dire que c'est une bonne jeune nouvelle. Aussitôt que vous confirmez, on connaît la parmi les premiers qui vous la gueule. Mais pour le moment, d'après ça, nous disons, d'après ça, nous comprenons, c'est que et même j'ai été fait en mars, hein, qui va que été move et date hein, de mars pour la juin. Actuellement là, il y a un pour parler pour le mois de juin, probablement à août. Donc, il y a espéré que le programme a continué jusqu'à l'été. Ça veut dire que à partir de dépendamment de l'heure où nous datons les points, je pensais que dernière date ça, que nous allons loin pour pendant l'été, ça censé dernière date que réellement le programme n'a qu'arrivé jouer nous stop. Et bien, pas oublier. Tant que pas une note officielle qui sorti, nous pas qu'à confirmer avec 100%. Cependant, l'un nous a posé question pour nous connaître. Mais 12 juin arrivé là, un peu monde des soucis, un peu monde inquiété. Il a fallu ça à faire. Est-ce que c'est pour rester en Haïti ou bien est-ce que pour voyager? Ok. Et bien jusqu'à nous joindre les nouvelles officielles là, lui apparemment date là pas là encore 12 juin pas là. Dès le 12 juin pas là, l'amour probablement. En fin juillet ou bien août. Donc, dans la mi-temps semaine là, nous sommes supposés gagner et remarque officielle, la note officielle là, que nous avons partagé avec vous. Mais ou même qu'à suivre le programme humanitaire là, comme en Haïti, qui a inquiété que si nous jouons arrivé là, est-ce que le programme va le camper? Inquiété pour le moment, pas inquiété parce que d'après toutes les informations que nous recevons, que nous collectons, ils ont dit nous que pas gagné vraiment un jugement le 12 juin. Donc c'est une première belle nouvelle que nous portons pour vous, mais comme moi toujours dit, tant que vous confirmez, nous confirmez aussitôt que qui date next jugement apparaître la fois qu'on est. Donc, ou même qui en Haïti actuellement là qui worry, parce que quand pile monde nous connaît, qui malgré que vous recevez travel authorization, vous avez gagné 90 jours que vous worry about, ou bien vous avez 12 juin que vous worry, n'a pas dit pour le moment, vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Pas oublier, même lorsque vous gagnez 90 jours là, vous avez dit ça déjà, vous êtes capable d'aller sur account ou vous capable de demander une extension pour que vous capable prolonger, on prend temps si jamais que bon bagaille pour régler et spécialement moun qui avec timoun yo. Faut moi dire une bonne nouvelle que nous joignent c'est que dans semaine ça yo en pile dans timoun en pile dans parents qui t'ai timoun qui t'a tant timoun yo qui pas capable recevoir et autorisation de voyage yo dit nous en pile là relé nous yo dit yo merci bon Dieu yo si répond yo ça veut dire que le nous voyez en note yo aller yo prêter attention avec yo même donc nous dit bon Dieu merci n'a continuer voyer note pour parents ça yo qui gagne timoun en Haïti cap tant que timoun yo recevoir à pouvoir yo avant que vous voyagez. Mais nous toujours dit ou même parents, nous connaissons que la situation en Haïti n'est pas bon, c'est vrai. Mais si vous pouvez voyager avec petit tout et que vous répondez, vous ne pouvez pas répondre à tout le monde, vous pouvez répondre à tout le monde, nous disons le mieux, c'est d'attendre. Parce que l'autre temps, c'est plus bon pour vous.
parce que nous gagnons une raison pour nous dire mais pour qui ça pour aider ou. Mais sous aller ou que petit monde ou faire plusieurs erreurs. Premièrement, le petit monde a prouvé ou pas capable, yo pas capable faire rien petit monde parce que c'est avec ou. C'est en bas dossier pour là pour que petit monde capable faire dossier par là dans CBP1. Ça veut dire que si pas mon parent, pas que monde qui pour faire dossier avec petit monde dans CBP1. Ça c'est numéro 1. Deuxième bagage c'est que sous voyager jusqu'à maintenant la bataille pour que yo capable ban nous des instructions claires pour connait qui est qui capable voyager avec ti moun yo, mais malheureusement jusqu'à présent n'a pas avec quoi instruction ça pour sortir. Ça veut dire que pour ti moun voyager li besoin ou même comme parent pour voyager avec lui. Nous comprendre que en pile fois ou tellement pas stress ou je travel authorization non ou penser obligé voyager, mais le voyager nous connaît que en tant que maman, en tant que papa ou pral souffrir en pile. C'est ça que nous dit, même lorsqu'on recevoir autorisation de voyage ou et que ti moun n'a pas recevoir pas courir quitter ti moun derrière parce que laisse ça ou pas battre tout plus problème ou faire en pile erreur qui pas ka corriger. Donc c'est ça que nous dit en tant que parent, tant pris préférer ou faire nous connaître que ou recevoir pour là ti moun n'a pas recevoir pour nous même pour la bataille pour ou le courir ou quitter ti moun derrière parce que le courir quitter ti moun derrière nous connaît que maman que papa yo pas bien content.